Vas-y, alors attends, je mets le pseudo, je te mets bien, tu vois. D'accord, en Chrome. Vas-y, ça commence. D'accord. Et pseudo 3. What? Jazz. Terminé. Voilà. Rebonjour le chat, je suis de retour pour vos gens mauvais tour, non, pour commenter. Et bah je crois que je suis pas seul. Alors voyons, d'accord Jazz Punk, grosse affiche, d'accord qui a miré un bon lead en early grâce au très bon combo game de Chrome. Qui ma foi est un avantage du perso à Dantil to F-Smash, c'était plutôt bien senti mais mal space. Ah ouh, le tech s'est loupé, hop, Dantil to upper, to upper, to upper. Oh le ce upper là aurait touché, Chrome serait mort. Ah bien vu, B-Reverse Fireball, hein. Des bons petits tricks de Mario, des BND. Ah ouais, des petits conseils. Deux joueurs qui ont l'habitude de s'affronter. Match pour Chrome plutôt, les deux qui ont un design. Après... Oh Zen, bonjour Zen. Ça aurait pu, la frite. Mais c'était un peu chaud je pense. Ouais non, je pense que c'est un petit peu short, et bon la bonne grosse frite de Chrome Rincosson, je sais que c'est un F-Smash. Et bah, bonne première stock de part de D'accord. Vraiment D'accord, quel traître, il change de perso en fonction de qui il affronte, vraiment il a aucune race, il fait que counter pick. Et je dis ça alors que c'est ma spécialité. C'est là l'humour, tu vois. Je dis ça alors que j'ai 7 perso. Bref. Et ben un bon petit lead pour D'accord, mais c'est pas grand chose. Hein. Et bravo. Oui, bon, voilà, c'est Mario sur un fast follower. Hein. Le niveau d'expérience, c'est assez stack en vrai entre les deux joueurs. Donc... Et ah, je vais déjà devoir partir, je joue contre Adenai dans Loser malheureusement. Je vais probablement revenir bientôt. Ouais, nous revoici. On met tout le monde d'accord. Wow, là, jouer à Puyo Puyo, c'est Mario qui a volé le skin du gros Bill. Mais là, oui. Bon. Échange de bons procédés entre Mario et Chrome. Ça attendait un petit jab. Les joueurs se regardent dans les yeux. Ça y est, c'est trouvé. Le spike qui est loupé. Il sort avec son shield Jazz en tout cas. Ah, la petite toupie et la petite douille de la B. Heureusement ça n'a pas été spaqué. Et ça tu punis, oui tu punis. Par contre j'ai pas trop compris la spot dodge juste après le AB, il y a suffisamment de lag. Je pense que peut-être un petit automatisme qu'il faudrait corriger Jazz. Ok, tu punis ça, oui, allez hop. Ça a pas suivi. Phase. Les joueurs sont assez patients, donc je regarde, j'observe. Ok, back air, attention. D'accord, je sais pas si c'est Jaspin qui a du mal à faire ses combos ou si c'est D'accord qui est vraiment bon et qui vit tout. Je pense qu'il y a un peu des deux. Le smash en punish. Joker. Tout d'un shield. Oh. Et voilà, le jet d'eau. Fallait bien qu'elle arrive à un moment. 1-0 pour Jaspin. Qui remonte quand même, hein, parce qu'au début c'était plutôt D'accord qui avait l'ascendant. Donc pseudo droite, Jazz Punk, non, score à droite. 1. Il bourre sur le shield, d'accord. Tout.
suite. Alors Sun qui connaît, c'est en fait en même temps qu'il y a le combat, on vous fait une sorte de blind test. Si vous reconnaissez, vous avez ma sympathie. Et c'est déjà beaucoup parce que je suis pas très sympa en général. Allez, donne si ça passe pas, on garde. Et le forward air qui vient tuer. C'est la seule phase où d'accord est sorti pour l'instant depuis le tout début du match. Alors quand je dis match, je parle aussi du match précédent. Okay. Échange de bons procédés. Aïe aïe aïe. Faut vraiment qu'il essaye de se laisser tomber un petit peu plus bas. Et encore, je ne suis même pas sûr que ça va changer grand chose. L'animation est tellement longue. C'est un peu free pour Mario, en fait, ce genre de truc. Alors, Mario ne peut pas perdre, il a ses EPI. Ok, ça normalement c'est géré, ce genre de choses. Suffit de dire out. Oh, l'animation qui sauve. En tout cas, ça a craché du sang à côté. Attention, Becker. T'as un peu trop commit là-dessus. Oh, yo, yo, yo. Allez. Si d'accord, remporte cette manche, il va gagner 7 et du coup, ça fera un partout. Ok. Mario qui a esquivé de peu. Le retour du FB. J'ai pas trop compris là le up smash. Il a été esquivé, j'espère. Non, il y a eu un trade. C'est tué ça. il a lâché la manette, il mâchait même plus. Bon. 2-0 du coup pour Jazzpunk. D'accord, qui part en loser. Bien joué à eux. Comme qu'ils savent pas contre les persos avec du bon out of shield. C'était prévisible de ouf. Ok. Très bien. Bon, comment reset cette histoire là? Terminé. Donc, pseudo gauche. On aura Thorin contre Zelda pour le prochain.